Je reprendrai la parole là où mes prédécesseurs l'ont laissé, notamment avec l'intervention de Samir, l'introduction ce matin par Hawa Sénéguer et puis les autres aussi, concernant justement ces penseurs qui pensent depuis, on va dire, de l'autre côté de la Méditerranée. L'espace géographique est très important. Il est très important lorsqu'il s'agit de penser le Coran. On ne pense pas le Coran et on ne l'interprète pas, on ne le reçoit pas de la même manière selon qu'on soit au Maroc, en Algérie ou en Égypte, ou que l'on soit en France. Alors on parlait ce matin justement aussi de Mohamed Al-Koun, qui a une liberté de temps, et pourquoi justement il est peut-être mal lu ou mal reçu dans les pays arabes, notamment dans son pays en tout cas natal, l'Algérie. Et de l'autre côté aussi, on trouve que parfois les penseurs arabes, arabo-musulmans, on va dire, parce qu'ils affichent aussi leur foi, assez timorés, voilà, très modestes concernant justement cette manière ou cette démarche de déconstruire l'orthodoxie ou l'islam, on va dire, du Moyen-Âge. Ça, c'est très important aussi de le retenir. Donc là, pour mon intervention, j'ai deux philosophes, immenses philosophes, qui sont décédés tous les deux, d'ailleurs, en 2010, tous les trois, j'allais dire, avec Al-Koun, et tous les quatre avec Medeb, mais en 2014, Medeb. Donc, pour dire, en tout cas, que ce soit le Jabri ou Abu Zayd, il faut bien les penser en tant que philosophes qui émanent de deux espaces géographiques, un pour l'Égypte et l'autre pour le Maroc, en interaction, une pensée en interaction avec le pouvoir politique. Ça, c'est très important. On parlait ce matin de Moubarak, par exemple, à Abu Zayd. Il y a Hassan II, d'autre côté, par rapport à l'Égypte. Les deux ont fait l'expérience de la prison. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais aussi cette pensée-là, elle ne vient pas, j'allais dire, dans un confort. Elle vient dans une interaction en subissant les affres aussi de la chose politique. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc à travers cette communication sur Al-Jabri et sur Abu Zayd, sur le statut linguistique du texte coranique, il s'agit justement de présenter des nouvelles alternatives en termes de lecture du texte coranique à travers justement les deux penseurs. Ce sont deux penseurs très connus dans le monde arabe, reconnus pour peut-être aussi avoir initié une nouvelle plateforme, une plateforme de modernisation de la pensée arabo-islamique. Une lecture à la fois du texte coranique, et pas seulement du texte coranique, mais aussi de tout le corpus de la sunna, avec une démarche déconstructiviste. C'est un mot qu'on utilise depuis l'Europe dans une catégorie de pensée très spécifique. Ce n'est pas le mot qu'on utilise dans le monde arabo-musulman, justement. C'est juste une espèce de jihad, c'est-à-dire un effort intellectuel à comprendre ou à interpréter les structures de la vérité islamique. Alors si Abu Zayd est relativement connu par le lectorat francophone parce qu'on a traduit un certain nombre de ses ouvrages et puis il y avait des colloques, etc. En Europe, Abu Jabri, il est presque inconnu du tout. Alors un immense, je dis, penseur qui a publié à peu près sur une période de 25 ans, ses livres sont des best-sellers en tout cas au Maroc, alors dans une classe de l'intelligence un peu particulier, hein, mais c'est pour cela qu'il y a aussi une déconnexion par rapport aux penseurs et la base, notamment dans le milieu universitaire, etc. Très peu de traductions en France, voire je dirais même aucune. Bon, je fais un peu excessif, mais une petite traduction du livre Critique de la raison arabe, à peu près 40% de la traduction, c'est ce que l'édition a imposé, et puis une autre traduction du même traducteur sur la pensée... la raison plutôt politique arabe. Voilà les deux ouvrages qu'on a de Al-Jabri. Par contre, on a un certain nombre de traductions concernant Abu Zayd, un peu plus connues. Au Maroc, Al-Jabri est beaucoup plus connu justement par ses quatre livres sur qu'on appelle la critique de la raison arabe. Il y a la formation de la raison arabe, la structure de la raison arabe, la raison politique arabe, celui-là il est traduit en France par La Découverte, la raison éthique arabe,
c'est le quatrième qui va clore, en tout cas, tout ce programme-là de publication, dont la publication matrice, elle intervient en 1980, un livre à l'époque, déjà en 1980, sur le plan politique, ce n'était pas non plus facile pour Al-Jabri, c'est le livre « Nahnu wa Tourat », Nous et la tradition, ou nous et le patrimoine. Un livre, pour moi, un livre programme pour tout ce qui va écrire, réfléchir, de 1980 jusqu'à sa dernière publication en 2008. Alors, il y a ces quatre ouvrages pour Al-Jabri, et puis viennent après, très tardivement, on le regrette beaucoup, très très tardivement, en 2006, une réflexion sur le Coran. C'est-à-dire, penser le Coran pour Al-Jabri était en filigrane ici et là, dans les ouvrages qu'on a cités, et encore je vous cite que quatre, enfin, il a publié exactement 25 ouvrages philosophiques, très compliqués, très denses, très profonds, mais la réflexion sur le Coran ne vient que tardivement dans sa vie en 2006. Introduction au Coran en 2006, et puis l'explication du Coran en 2008. Troisième volume, il est toujours, je pense, dans son bureau, en attente à la fois d'un éditeur et puis surtout de traducteurs. Ce sont des livres qui sont en arabe. Donc, ce sur quoi je vais vous parler, ce sont des livres qui ne sont pas traduits en français, ils sont en arabe. L'intérêt de ces deux penseurs, c'est d'avoir, il me semble, déplacé un certain nombre de déterminismes. Voilà. Avec toute la relativité qui doit s'imposer. La question de l'espace est très importante aussi. Ce sont des déterminismes qui sont véhiculés par le discours religieux, que ce soit en Égypte ou au Maroc, lequel discours, jusqu'à encore aujourd'hui, travaille en profondeur la société marocaine, par le biais justement de l'éducation. J'oublie juste de préciser quelque chose, c'est qu'un certain nombre d'ouvrages de Al-Jabri s'attaquent à l'éducation. C'est encore un pôle sacré. C'est aussi sacré que le Coran. Une chose qui ne faut pas toucher par rapport au Maroc, justement. Alors, on reviendra tout à l'heure à la question, justement, à la manière dont on enracine une certaine lecture du Coran par l'éducation, bien sûr. Et il y a eu un débat il n'y a pas très longtemps, justement, sur l'éducation, soit on va appeler l'éducation religieuse, ou l'éducation islamique. On est passé de l'éducation islamique à l'éducation religieuse avec Mohamed VI. À l'époque, c'était l'éducation, bien sûr, islamique. Là, c'est plutôt religieuse. Donc, il y a une nuance. Enfin, pour dire, en tout cas, un certain nombre d'écrits d'Al-Jabri concernant justement l'éducation pour la réformer, en touchant, bien sûr, un des points sacrés. Il n'était pas entendu, bien entendu. Abou Zeid, aussi, il a réglé ses comptes avec un certain nombre de monde. Bon, il va être haï à la fin, et bon, avec, y compris avec les réformistes, depuis Tahtawi jusqu'à 1967, jusqu'à ce qu'on appelle la défaite du monde arabe de 1967, qui est d'ailleurs aussi un point important, une date importante pour Al-Jabri, par laquelle il va commencer sa réflexion. Enfin, oublier que Al-Jabri, c'était d'abord un historien, mais aussi très engagé politiquement, donc il est très sensible à cette question de 1967. Abou Zeid, ça va être aussi un règlement de compte jusqu'à la fin, jusqu'à 95, où il va être obligé de choisir l'exil, accusé pour apostat, pour un livre sur lequel justement je m'appuie pour cette communication, critique du discours religieux. Ce n'est pas Mafhoum al-Nas, comme la plupart du temps croient, c'est pas la théorie du texte qui va lui valoir en tout cas cette accusation-là et la question de l'apostat, c'est surtout critique du discours religieux, une synthèse d'un certain nombre d'articles déjà publiés auparavant pour obtenir, en tout cas, comme chacun d'entre vous le sait, en tout cas pour obtenir sa titularisation au département de langue arabe de l'université d'Al-Azhar. Le choix de... Alors, je n'ai pas choisi deux auteurs parce que, voilà, il y en a d'autres, il y en a beaucoup, on en a parlé ce matin, et des très éminents en tout cas. Mais le choix pour moi de Al-Jabri et d'Abou Zeid réside dans le fait que, ou ça justifie, on va dire, par la contiguïté de leur fondement théorique. Voilà. Du moins, dans les dernières, en tout cas, les dernières publications. Il y a aussi la convergence, elle est très importante pour moi, la convergence de leur démarche analytique. Qui met l'accent sur la strate du langage ou de la langue.
Il y a aussi l'originalité de l'approche. Les deux derniers ouvrages d'Al-Jabri, où il articule la notion, très intéressant de la manière, par exemple, d'une approche lexicographique, du lexique coranique, comment il voyage sur la surface du texte, et ça c'est très intéressant. Aussi, il partage quelque chose qui me semble un peu négatif, c'est aussi deux auteurs difficiles d'accès, on l'a dit hier, très peu lus, on va dire, par la moyenne générale du lectorat, malheureusement aussi, ils partagent le fait qu'ils ne sont pas suffisamment connus en Europe, enfin, du moins, pas traduits. Le postulat de base d'Abou Zeid réside dans sa réflexion sur la langue coranique et les mécanismes qui font qu'un discours sur un moment historique et social précis se transforme en un discours absolu et éternel. Alors, dans cette démarche-là, il va mobiliser la catégorie, notamment linguistique. Et notamment une catégorie très particulière, c'est ce qu'on appelle la grammaire énonciative. Alors, juste entre parenthèses, il en était très sensible à la grammaire énonciative, très sensible à la sémiotique, très sensible à toute cette science de langage, on va dire, occidental, parce que j'ai découvert, je ne le savais pas, il avait traduit deux livres d'un certain Yuri Lotman, un grand sémioticien russe. À mon avis, elle était quand même un point de départ de sa réflexion, justement, ou peut-être la continuation de cette réflexion sur la grammaire énonciative qui va l'amener vers la sémiotique, etc. La grammaire énonciative, rapidement, c'est celle qui inclut, c'est pas que sur le texte, c'est celle qui inclut le schéma de l'émetteur et de récepteur qu'on verra en filigrane. Il inclut aussi dans sa démarche la sociolinguistique, la psycholinguistique par rapport au langage coranique, la rhétorique. Beaucoup, bien sûr, c'est normal, c'est un arabe, on enseigne encore le balara, la rhétorique, l'archéologie du texte, hein, c'est très important. Voilà, c'est une démarche assez pluridisciplinaire qu'on va lui reprocher, parce que quand on travaille sur le texte, il faut que ce soit le texte dans sa propre immanence, un texte coupé du contexte. Or, Abou Zeid ne cesse d'aller dans le texte, du texte au contexte, très souvent, et de la dimension historique. Al-Jabri, de son côté, est profondément marqué par une approche, d'ailleurs il la partage aussi avec Abou Zeid, une approche un peu littéraire du texte. Le texte coranique pris comme une production culturelle, littéraire, voilà, au sens noble du terme, hein, littéraire, qui exige à ce qu'on la reçoit, enfin qu'on reçoit le texte comme... un élément interprétatif, c'est-à-dire qu'il faut décoder le sens. Et comme tout texte littéraire, c'est un texte travaillé par la métaphore. Donc ça va être un élément important, et pour Abou Zeid et Al-Jabri, la question de ce qu'on appelle en arabe al-majaz, la métaphore, dont on parlera tout à l'heure. Beaucoup de littéraires, ils le savent, la métaphore, c'est quand... le signifiant se déconnecte du signifié. Voilà. Ou plutôt, quand le signifié se perd, il ne reste que le signifiant. Donc là, on va déployer une forme d'herméneutique pour récupérer le signifié par des passages secrets, que ce soit la philologie, que ce soit la sémiotique, que ce soit l'analyse textuelle, pour aller récupérer le signifié. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, quelque chose qui sont partagés par les deux et qu'on pointe départ justement dans cette aventure sur le texte coranique. Al-Jabri, en 2008, il justifie cette approche par dès l'introduction. Il le justifie d'une manière très claire, je crois aussi à Abou Zeid, mais enfin, c'est très clair dans mon esprit, dans l'introduction, le fait que le texte coranique soit... agencé, non pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre des sourates les plus longues ou plus courtes, bah, ça impose tout de suite à ce que le texte soit offert comme texte, et non pas comme une révélation sacrée. Donc ça, il ne le dit pas très explicitement comment, bah, on le voit en tout cas, lui qui était historien, très sensible à la chronologie de la chose, pour lui en tout cas, la déconnexion impose au lecteur à ce qu'il déploie une démarche interprétative sur le texte lui-même.
découpée de toute intentionnalité transcendantale. Alors, il y a aussi une différence concernant Abou Zeid et Jabri. Ça aussi, c'est très important. Et cette différence, elle se voit très explicitement. Abou Zeid, il va travailler pendant presque 20 ans sur le texte coranique. Et on voit chez lui une exigence textuelle poussée presque à l'extrême. Là où le Jabri, sur deux ouvrages uniquement, le troisième n'est pas sorti, il reste un peu, on va dire, en deçà de la chose. Alors, peut-être aussi le contexte géographique est très important, je le redis encore, fait que, voilà, on ne peut pas aller plus loin. Néanmoins, dans cette évolution de la chose, ils vont insister tous les deux sur la responsabilité du destinataire, ou ce qu'on va appeler la coopération réceptive, c'est-à-dire que le texte ne se déploie ou que cette révélation ne s'accomplit seulement si on a de l'autre côté un récepteur du texte. Il s'agit pour Al-Jabri, notamment concernant ce texte coranique, justement, de rendre le lu contemporain à lui-même et en même temps contemporain à tous. C'est quelque chose, en tout cas, qu'il le répète dans son introduction. J'ai été frappé par une phrase que je vais le citer rapidement, Jabri, l'introduction en 2006, par rapport à l'introduction au Coran, comme s'il va toucher quelque chose. Il se pose même la question, après 25 ans d'écriture, de réflexion, est-ce qu'il est autorisé à ouvrir le coffre-fort du texte coranique? Et il nous dit, nous frappons à une toute autre porte. 25 ans de réflexion, déjà 20 livres avant lui, avant celui-là. Et nous nous sentons à présent un peu plus disposé, après avoir fini les 4 volumes de Critique de la raison arabe, un peu plus disposé qu'auparavant à manier les clés de cette porte. J'ai frappé par cette... Alors, c'est la modestie, mais c'est encore une fois le contexte très important qui lui impose ça. Pour voir simplement comment, même si on est un intellectuel, on est conditionné par une structure mentale qui rend l'homme arabe musulman assujetti à la révélation d'une manière passive à laquelle il n'a pas le droit d'entreprendre aucune démarche, soit d'interprétation ou de compréhension. Dans la communication de ce matin, je vais traiter deux points. Un premier point sera consacré aux implications conceptuelles lié à la notion de texte, puisque je travaille sur la strate linguistique. Un deuxième point, rapide aussi, il sera consacré plutôt à l'agencement textuel de la révélation, ou comment la révélation est pour l'un et pour l'autre, est un agencement rhétorique et textuel. Il est tout à fait normal que les sciences du langage, aussi bien la phonétique, la morphosyntaxe, la lexicographie, la sémantique s'empare du texte coranique pour en faire un objet d'étude. C'est dans les 5 premières pages de Abou Zeid, critique du discours religieux qui sera rejeté, bien sûr, par la communauté scientifique d'Al-Azhar. Le retour au Nas, en arabe, texte, qu'on traduit avec une traduction très faible, parce que le mot nas en arabe, c'est un mot très polysémique dans le dictionnaire, pour les arabisants, ils le savent. Mafhoum nas, traduction en français, le concept du texte. Or, le mot nas en arabe signifie aussi la révélation. Nas shay, zahara shay, ça veut dire la chose est apparue ou la chose est révélée. Alors, on se pose la question de savoir, mafhoum nas, dans le texte d'Abou Zeid, est-ce que ça veut dire mafhoum l'wahy? Et de mémoire, mais à vous de vérifier en sortant, ou peut-être les trois premiers mots de l'introduction de Tamhid de mafhoum nas, il va parler, c'est le mot wahy qui va apparaître dans les trois premiers mots. Bon, alors, la traduction, en tout cas, s'il y en a une, la question du texte ici reste en tout cas à réfléchir.
Donc pour moi, le texte ici signifie la révélation. C'est une perspective presque inédite dans les sciences coraniques, puisque les implications peuvent potentiellement bouleverser totalement l'approche du Coran. Pourquoi ? Parce que les dimensions de la discursivité qui vont être impliquées, l'énonciation aussi, il y a la notion du texte ouvert sur la perspective d'une grammaire qui se veut une grammaire architecture, c'est-à-dire qui implique notamment la surface du texte dans sa dimension polyphonique. Alors quand on ouvre aussi le texte par ce biais-là et qu'on atterrit sur le terrain de la polyphonie, ça veut dire qu'il faut parler aussi du dialogique, c'est-à-dire l'hétérogénéité du texte, c'est-à-dire on perd l'unité, parce que le texte va se renvoyer, il va être autoréflexif. On va parler aussi de dialogal, c'est-à-dire la manière dont on va convoquer les voix à l'intérieur du texte. Et tout d'un coup, le jeu de l'énonciation, le jeu suprême du divin, celui par lequel justement vient l'injonction, il devient un acton parmi les autres. Si on va jusqu'au bout de la logique du texte, c'est ça. Imafhum al-wahy, ce serait ça. Donc, ça remet en question beaucoup de choses. Et tout d'un coup, la simple équation d'un texte adressé à son croyant ou au croyant, ça devient très insuffisant. Il faut y rajouter d'autres choses. Entre l'émetteur et le récepteur, il y a aussi d'autres jeux. Et ces jeux ne sont pas innocents parce qu'ils interprètent aussi. Ou du moins, ils vont humaniser le texte. Ou avant d'humaniser, ils vont l'interpréter puis après le transmettre. Donc la question, dès qu'on touche le texte, et dès qu'on touche justement l'aventure textuelle, il faut à se mettre aussi dans la tête que la question de l'intentionnalité se pose aussi. De quelle intentionnalité ? On nous a tous sur de formation littéraire, donc les toutes premières analyses du texte, on nous apprend l'intention de l'auteur. L'intention de l'auteur. Alors, c'est quand même quelque chose, ça impose quelque chose, une centralité. Là, l'intention de l'auteur, elle va pas... Voilà, s'il y a une intention, elle est très décalée du texte lui-même. Elle n'est pas contenue dans le texte. Il n'y a pas de consubstantialité entre l'intention et le texte. On déconnecte les deux, et le texte devient lui-même autogérant, on va dire, offert à la lecture et à l'interprétation. Se pose la question de qui parle, en fait. Qui parle dans le texte? Et à qui la parole est adressée? Abou Zeid, je disais tout à l'heure, il va aller plus loin dans cette réflexion. Et il va appliquer, puisque sensible à la sémiotique, il va appliquer un schéma sémiotique que j'appelle une sémiotique coranique, parce qu'elle est spécifique au texte coranique, dans laquelle il va avoir la ligne suivante. Émetteur, intermédiaire, avenir et destinataire, communauté. J'ai dit, pardon, et interprétation. Donc émetteur, intermédiaire, avenir, destinataire, communauté et interprétation. Et oui, bien sûr, parce que tout schéma sémiotique impose... entre l'émetteur et le destinataire impose une interprétation. Sans trop ouvrir justement la question de la sémiotique, parce qu'elle implique aussi un élément central que Abou Zeid n'osera pas le mettre, celui de la manipulation. Mais on ne le trouvera pas parce que c'est un schéma sémiotique appliqué au texte coranique, ça n'apparaîtra pas. Dès que le schéma est posé, comme je disais avant, l'intentionnalité disparaît, transcendantale, hein, disparaît. Le texte devient produit, culturel, simple, en interaction avec sa réalité, ce qui suspend l'idée d'un texte éternel pour qu'il ne soit remplacé que par un texte ouvert à la lecture. Juste à titre informatif, Abou Zeid va évoluer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin qu'Al-Jabri. Je n'ai aucune intention de comparer, je ne suis pas du tout qualifié
à comparer de ces deux immenses penseurs. C'est juste vraiment des observations personnelles concernant la manière dont Abu Zayd évolue dans sa réflexion sur le texte coranique et Al-Jabri. Abu Zayd, il va articuler trois concepts, on va dire, ou trois notions. Ce ne sont pas des concepts, ce sont des notions. La notion du texte, la notion du discours et la notion du signe. Et donc, sur la question d'une majaze, par exemple, lorsqu'il va attirer sur la question Aliyat et Ta'wil, les mécanismes de l'interprétation, il va arriver surtout, il va articuler, c'est très intéressant, il ne va travailler que par le biais du signe. Enfin, on arrivera tout à l'heure. Ce sont des notions que Jabri n'utilisera pas dans son cheminement-là. Peut-être, vu le temps, autant expliquer dès à présent qu'est-ce que le signe, il compose deux faces, comme on le sait, la face du signifiant et la face du signifié. Lorsque le signifiant est à agencé au signifié, c'est-à-dire qu'il y a un rapport conventionnel. D'autres diront un rapport arbitraire, mais en tout cas, il y a un rapport conventionnel. Ça, c'est important. Donc, le signifié renvoie à quelque chose de définitif, univoque, fixe. Voilà, ça c'est important de le dire. Et ce cheminement va lui permettre de s'intéresser justement à ce que je disais tout à l'heure, le jeu de signifiant au sens large, et notamment lorsque le signifié, il se perd. Et c'est là que la question du majaz, qui va jouer un rôle très important, la question de la métaphore, le travail de la métaphore, qui va jouer un rôle très important dans l'interprétation par rapport, par rapport notamment à Abu Zayd. C'est pas une intuition, enfin en tout cas cette entrée quand même de la part d'Abu Zayd, elle est déterminante. C'est une détermination linguistique, certes, c'est pas quelque chose... une exégèse, mais elle va venir quand même bouleverser le rapport de l'homme musulman par rapport à son texte. Alors, c'est un texte qui va devenir une autre conception tout à fait différente. Je dirais qu'on part de l'œuvre pour arriver au texte. On apprend dans les pays arabes, puisque le Coran c'est une œuvre, on apprend aux gens à le mémoriser, à le lire, à le réciter. C'est tout. Si c'est un texte, c'est autre chose. C'est un chant ouvert. Donc on ne le récite pas, on ne le mémorise pas. On le travaille, on l'interprète. On creuse les profondeurs. Donc ce déplacement est déterminant par rapport à l'homme musulman de base. Et alors comment il va faire par rapport à son texte qu'il croit éternel ou qu'il croit sacré ou ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel peut-être, il faut réfléchir. Pour le Jabri, c'est très simple aussi. 5 minutes. Pour le Jabri, il va falloir en tout cas passer ce qu'on appelle al-aql al-irfani, parce qu'il a trois uqul, trois raisons. Al-aql al-irfani, c'est la raison irrationnelle, pour aller vers al-aql al-burhani, la raison rationnelle. Or, pour le philosophe marocain, nous sommes encore dans ce qu'on appelle al-aql al-bayani, c'est-à-dire la raison religieuse. Et de ces raisons, ce sont, si vous voulez, des schémas mentaux cognitifs, il en découle aussi des analogies. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire l'analogie pour l'aql al-irfani, c'est-à-dire la raison irrationnelle, c'est une raison intuitive, ce qu'on appelle l'aql al-hadasi. On enseigne le Coran comme ça, d'ailleurs. On demande aux jeunes dès le primaire de lire le Coran de cette manière-là, avec cette approche hadasi, c'est-à-dire intuitif. Alors, c'est peut-être un peu mystique aussi. C'est intéressant, quelque part. Enfin, en tout cas, il n'y a pas le sens critique là-dedans. Alors, il en découle, en tout cas, de ce aql al-irfani, une analogie très intéressante, celle qui permet de mesurer le connu
sur l'inconnu. Le connu sur l'inconnu. C'est un cheminement de réflexion propre à la lecture fondamentaliste des structures de la vérité islamique. Le connu sur l'inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'inconnu devient plus important. Ou pour utiliser une structure, un titre de, si je me trompe, d'Umberto Eco, la structure absente. La structure absente s'érige comme la structure de référence par laquelle, en tout cas, il faut mesurer. On peut dire aussi l'absent, c'est l'absent idéalisé au profit, justement, au détriment, justement, du présent. Et ça, c'est pour Al-Jabri, on va lui critiquer beaucoup, bien sûr, cet aspect, cette façon de mesurer, en tout cas, la pensée. D'ailleurs, il le dit en 94, je cite rapidement, en effet, c'est-à-dire en 94, il le dit, déjà avant même l'écriture sur le texte coranique, il va falloir qu'il y ait une rupture épistémologique qui doit s'opérer au niveau de l'acte mental. C'est très important. Donc on est dans les cognitions, dans l'acte mental, de l'activité inconsciente dont je parlais tout à l'heure. L'homme musulman se sent soumis à la révélation, qui s'exerce à l'intérieur d'un champ cognitif déterminé. Et c'est en filigrane qu'il va parler justement de ce aql irfani, dont l'analogie est celle de mesurer le connu sur l'inconnu. J'avance juste pour conclure carrément. Oui, d'accord. Merci. Alors, pour conclure, je vais finir juste avec, je parlais tout à l'heure en parlant de Jabri, avec cet intérêt sur le vocable. Jabri, il va s'intéresser beaucoup à toutes les au vocable qui relève de ce qu'on appelle la révélation al-wahy. On a al-wahy, on a al-manam, on a ru'ya, et tous ces éléments-là, ils vont être analysés pour en faire de finalement le wahy un signe. Et c'est là qu'il va rejoindre en tout cas Abou Zayd. Bon, je ne pourrais pas développer ça, mais enfin en tout cas si j'ai la possibilité de l'écrire, en tout cas je développerai plus pour montrer simplement que Jabri va atterrir lui aussi sur la question des signes lorsqu'il va analyser le voyage des vocables qui relève de la question du wahy dans l'espace textuel du texte de coranique. Et il va arriver justement pour en faire de wahy un signe, pour dire que wahy ce n'est pas une communication articulée autour d'un langage humain. Dieu aussi, ou l'émetteur, peut aussi révéler aux objets, aux choses de la nature, sans passer par le langage. Voilà. Et donc avec toute une analyse justement sur la dimension de l'ouïe, la dimension de la vue, ou la dimension de la parole, et parfois même la dimension de la non-parole. Et c'est là que le signe arrive en tout cas à son paroxysme, c'est-à-dire un signe pur, sans renvoi à un signifié qu'on pourrait sacraliser ou qu'on pourrait en tout cas diviniser. Ce n'est pas la conclusion, c'est juste que je m'arrête parce que c'est la fin de la communication. Merci beaucoup.